Ah, c'est Lee Sin Jungle, ok. Xin Top. À moins qu'ils aient oublié de swap, mais je pense pas. Faut que je sorte ma poubelle de canettes tout à l'heure. Faut que j'aille en rechercher une d'ailleurs. Bon, Lissandra match-up. Très longtemps que t'as pas joué. Ignite électrocute. Va quand même falloir faire attention. Avec un Lee Sin combiné, ça peut aller assez vite. Oh ouais, celle-là, c'est un peu une game auto-win si on dépasse les 30 minutes. Non. À la draft. Je pense qu'on peut pas trop perdre en late. En vrai. Lee Sin va fall. Je me rends pas trop compte de la capacité de Xin et Lissandra à avoir de l'impact dans le sens où on a Twitch invisible avec une cleanse. Je sais pas. Je pense qu'on peut pas trop perdre en late. Mais tout dépend de la... Enfin, tout dépend de notre early, quoi. J'ai pas vu qu'on avait Yumi. Enfin, si j'avais vu, mais j'avais oublié qu'elle était sur moi. Bon, comme toutes les drafts qui scale, hein. M'arrive souvent de dire qu'on a perdu à 30 minutes contre une compo où il y a Jinx, Karma, Thresh ou un truc du style. Mais bon, s'il y a 20 kills pour notre team en early, on va gagner. C'est comme là quoi, si la botlane fait 0-10 avec 10 kills sur Kai'Sa, Leona, on va pas gagner. Mais bon. Faut pas que je change trop mon playstyle, mais je sens que cette game c'est un peu plus bas elo que ce qu'on a joué dernièrement et je sens que je peux la dominer de ouf. J'ai envie de jouer un peu avancé. Transition level 2, on est en master grand, enfin master grand master, top 1000-1500 de l'Europe. Les botlane ne savent toujours pas jouer autour du level up niveau 2 en face. Toutes les games qu'on perd c'est ça de toute façon. Voilà. Il peut pas farm la deuxième wave au bot et ils sont morts. Oh, c'est malaisant en fait. C'est malaisant parce qu'on perd beaucoup, on perd trop de games comme ça, tu vois. Ou ben. En fait. La résultante de ça, c'est quoi? Bah, c'est juste que le mec va décaler au mid avec sa Leona sur Syriza. Genre là, la Leona, elle est à la base. Tu crois qu'il va aller où? Il va pas courir bot. Son ADC va pouvoir catch. Le mec va venir au mid. Il a trinket rouge. Je vais quand même mettre ça et prendre la plante, mais. Je sais déjà que la game va être dure, tu vois. Il est mort au top sur le gank. Botlane est mort en 2v2, level 2. Ah, level 1 en fait. Ils sont même pas passés level 2 quand ils sont morts. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est
Ça va, elle a pas roam. Préférer être bot pour la wave. Plus de potions. Je prends cookie pour le mana. Le deuxième est up dans mon inventaire maintenant. Prendre le deuxième aussi. Elle va back, non? Oui. En faisant ça, elle back. Faut une wave de plus. C'est pas trop compliqué, en vrai. Étant donné que j'ai un peu de mana et 2 W quand la wave arrive. Après, est-ce que je mets 2 W? Non. On fait un ZEQ. Son morobot. Bien joué. Un petit poke. Elle pourrait freeze, mais je pense pas qu'il est assez smart, si. Incroyable. Ah oui, neuf. Ah ouais. Oh, mais ça met toujours bien, hein. Donc là, le mec vient de prendre midlife et il n'a pas réussi à freeze. Genre, là, le mec, c'est un midlaner, master au moins 200-300, tu vois, vu le niveau global de la game sur toute la map et tout. Le mec a... ne sait pas freeze. Genre, il ne sait pas freeze. Il a bug du coup. Elle a roam au bot pour avoir le kill. Je pensais qu'elle était peut-être à la base, mais. Pas qu'après, hein. Elle est donc à 1-0. On va aller prendre une plate. J'ai 20 CS d'avance. Je sais pas ce qu'elle a. Il récupère en plus, nice. Ça va. Après Twitch a 20 creep. Hein. Paire de 2v2. Yep. Human melting point remains inconsistent. Le meilleur moyen que j'ai de punir une Lissandra, c'est de la push et de l'avoir sous tour. Hein. Faire un last hit. Assiste. Hein. Je vais pas chercher à faire de truc. On est bien comme ça. D'accord. On perd une wave. On perd une wave parce que la botlane a décidé que c'était comme ça. Lee Sin 3-1-2, level 7. Plus de level que tous les laners dans la game. Ok. Niveau R, je sais pas si elle l'a en même temps que moi ou avant.
Nice. Perdu une plate. Ils sont sur l'Hérald. Normal. Faudrait qu'elle perde un peu là. Elle en perd un. Tant pis pour la plate, je pense. J'ai besoin de tempo et j'ai les gold pour mon truc. Bon, tout va bien, 20 CS lead, solo kill. J'ai pas de cleanse, hein. Ils vont vouloir jouer au mid. Il a déjà le R. Et le R de Lissandra, c'est quoi le CD? Je sais pas ce qu'ils comprennent pas dans Chia's Flash. Pas sûr que Focus L c'est une super idée. Il a plus de W, il est mort. Il tue personne. Si. C'est un 4v5. Hein. Thank you for your contribution.
bon. Bon, on a un peu lose la game sur ce fight, étant donné qu'on perd en 4v5 et que l'autre a fou pris 50 millions de ressources top gratuitement. Et bon, la botlane ne sert pas à grand chose, surtout quand Twitch décide de se suicider sur une cible qui a le flash, alors que je lui dis à 10 secondes à l'avance. Ils ont deux Drake et toute leur team qui gagne. Je suis obligé de claquer deux sum sur ça. Elle a raté le Q. Ok. Ah, le truc c'est qu'avec McLean ça va pas être suffisant quoi. Je sais pas. J'ai quand même envie de me dire que il y a que Lissandra et. Ouais. Ça va être dur de jouer sans lucidité et tout, mais je pense qu'on a besoin. Je suis le seul qui deal des choses là. On va go comme ça. Je vais devoir jouer très safe, mais je vais jouer Cosmic Horizon. Il est mort, lui. Du coup, ils prennent pas la tour, mais il est mort. Deux pour un, et le reste est très loin. Et ils ont pas l'Hérald. Et on l'a. Si elle sort, elle va forcément mourir. Mais qu'à flash. Il aura de l'impact, le Xin. Il aura de l'impact. Parce qu'il joue crit. Ah, le problème, c'est la sous-océan.
Ils ont quand même eu le Drake, quoi. Il n'y a pas de verre. Fils de pute. Trop con, fils de pute. Ah, the void. I miss the darkness. Je peux pas comprendre en plus, c'est un enculé. J'aurais pas mon flash à tous les fights, hein. Clear.
pas de mana. Je suis obligé de go Morello, personne fait d'anti-heal dans la team. Très chiant, mais... C'est la dure vie d'un mage contrôle. Par contre, on doit fight, hein. On doit faire Nash. Hein. Il veut pas le taper, ce Nash. Hein. Ok, bon, maintenant c'est Rabadon. Je ne sais pas si le Urgot a touché un R dans le game, s'il en a touché un ici. Peine, non? C'est mon bump, je pense qu'il finit du coup. Il peut finir le Urgot. C'est fine, j'ai du flash in pour rentrer dans l'ult. J'ai lancé mon Q et j'ai flash in après pour rentrer dans le truc du Xin et le tuer. Faut taper le Nexus, frérot. Merci. Ça va, on a fait un bon fight. J'ai one shot la Lissandra avant qu'elle go in. C'était sûr qu'elle allait go in pour mettre un R. De toute façon, c'était le meilleur play qu'elle a à faire. J'ai gardé l'aggro de la tour pendant un bon moment du fight pour éviter que ce soit les autres qui la prennent forcément. Q spell flash in dans l'ulti Xin. Je touche mon ZE sur la Kaisa quand elle go in. Plus 16, moins 16.